Harvey. Je me permets de franchir la porte, révérende mère, afin de vous parler de Maria. Je m'en doutais un peu, sœur Margaretha. Maria demande à vous voir. J'attendais qu'elle vienne d'elle-même vers moi. Son comportement semble étrange. D'une part, elle est contente d'être de retour parmi nous, et de l'autre... Et de l'autre? Elle semble absente, perdue, sans enthousiasme, elle qui pourtant avant... Oui, je sais. Mais pourquoi l'ont-ils renvoyée? Vous en a-t-elle donné les raisons? Non. Elle est muette depuis son retour, sauf pour les prières. Dans ce cas-là, je désire la voir. Maria! Ma fille! Cette expérience dans le monde a-t-elle été aussi pénible que je peux l'imaginer? Oh oui, révérende mère, elle l'a été. Avez-vous appris quelque chose? J'ai appris que je ne voudrais plus quitter ces murs une seconde fois. Vous savez que les enfants dont vous vous occupiez sont venus ici ces jours derniers pour vous réclamer et pour vous dire à quel point ils vous aimaient. Ils sont tellement gentils, adorables, mignons. Alors, pourquoi vous ont-ils renvoyés? Ils ne m'ont pas renvoyée. C'est moi qui me suis enfuie, sans les aviser, sans leur avoir dit bonsoir. Maria! Maria! Mon enfant! Mais qu'est-il donc arrivé? Pourquoi avoir agi de la sorte? Parce que j'avais peur. Peur? Je ne savais plus où j'en étais. J'ai ressenti intérieurement un tel trouble que j'ai compris que je ne pouvais plus rester là, que je devais m'éloigner le plus vivement possible. Ici, tout de suite, j'ai retrouvé ma sécurité morale perdue. Chère Maria, vous devriez savoir que notre couvent ne peut servir de refuge à qui que ce soit. Votre devoir est de faire face à vos responsabilités. Mes responsabilités? Je sais que je ne pourrai plus lui faire face maintenant. Lui, c'est le capitaine Von Trapp, n'est-ce pas? Seriez-vous amoureuse de lui, Marie? Je ne sais pas. Je l'ignore. Parlez-moi de tout cela, mon enfant. La baronne Elsa prétend que je le suis. Et Brigitte croit que son père est amoureux de moi. Il m'a regardée avec chaleur. Et je l'ai regardée avec émotion. Il a pris ma main dans les siennes et il m'a dit qu'il avait besoin de moi parce que j'avais ramené la musique dans sa maison. Je me souviens que j'avais de la difficulté à respirer, que j'avais une chaleur partout, que je ne pouvais pas rester. Donc, vous avez l'impression de l'aimer? Oui, je pense. Lui avez-vous fait part de vos sentiments? Je ne savais pas ce que c'était. Et si je l'ai fait, c'est en ignorant que je le faisais. Maintenant, c'est ce qui me torture. J'étais là pour servir Dieu. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, mère, je suis prête à prononcer mes vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté le plus tôt possible. Maria, Maria, écoutez-moi. Il faut que vous sachiez que l'amour qui unit un homme et une femme est un phénomène naturel, normal et très sain. Vous possédez en vous une très grande capacité d'aimer. Mère, j'étais là pour servir Dieu. Ma fille, si vous aimez cet homme, ça ne veut pas dire que vous aimez moins votre Dieu. C'est lui qui vous a fait rencontrer. Vous devez maintenant
Retournez vers moi. Oh non, mère de grâce, gardez-moi avec vous. Dites-vous bien, ma chère Maria, que ces murs ne sont pas faits pour résoudre les problèmes sentimentaux. Vous seule devez leur faire face. Et souvenez-vous que Dieu n'admet pas de pourquoi. Quelque chose. Avec Fräulein Maria. Nous n'avons plus besoin de Fräulein Maria. Vous pouvez chanter tout aussi juste avec moi. Et avec moi. J'ai l'expérience des cours, des chorales, des quatuors. Max, s'il te plaît. Et qu'aimeriez-vous chanter en ce moment, les enfants? Fräulein Maria commence toujours par... Inutile de prononcer ici le nom de Fräulein Maria. Venez, Max. Je me sens animée par la marche. C'est précisément ce dont j'avais envie, chère Elsa. Cathy, Frédéric. Avez-vous joué de vos trucs ou fait de mauvaises blagues à Fräulein Maria? Non, père. Seulement les trucs qu'elle aimait ou dont elle riait. Aucun crapaud dans son lit? Non. Eh bien, quelque chose a dû lui déplaire souverainement pour qu'elle décide de nous quitter ainsi, sans un mot. Moi, je crois savoir pourquoi. Mais ce n'est que l'imagination. Elle ne reviendra pas. Non, ma chérie, je ne crois pas. Mais pourtant, c'est la meilleure gouvernante que nous ayons eue. Désormais, vous n'aurez plus de gouvernante. Ah bon? Pourquoi? Vous aurez une nouvelle mère. Une nouvelle mère? Je ne suis pas sûre que ça soit bon. La baronne Elsa? Oui, et j'en suis très heureux. Quand Fräulein Maria était malheureuse, elle chantait toujours... Cette chanson pleine de bonnes choses. Très bien, chantons-la. Gros mille feuilles, tarte aux pommes fraîches, grand bol de crème dont on se bourrèche, belle oie sauvage qui s'envole dans la plaine, c'est là un peu de mes joies quotidiennes. Qui robe claire, coiffures en natte,
Nous aussi, nous avons beaucoup à vous dire. J'imagine que vous devez avoir beaucoup à me dire. Je crois que la plus importante est que Père va bientôt se marier. Se marier? Oui, avec la baronne. En êtes-vous certain? Il vient de nous l'annoncer, Maria. Nous l'avons trouvé! Il arrive! Claire. Brigitte. Maria, nous sommes dans nos chambres. Vous êtes revenu. Oui, capitaine. Vous nous avez quittés sans aucune explication, sans même nous dire au revoir. Excusez-moi, ce n'était pas bien de ma part. Pourquoi avoir agi de la sorte? Dites-moi. S'il vous plaît, ne me le demandez pas. Peu importe la raison, puisqu'elle n'existe plus maintenant. Êtes-vous revenu pour rester? Jusqu'à l'arrivée de ma remplaçante, j'imagine. Vous avez manqué aux enfants. Vous m'avez... Enfin, vous avez manqué à tout le monde. Rien n'est plus pareil quand vous n'êtes pas là. Tout se désorganise, tout va mal. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, veuillez aller voir les enfants.